Ça y est, on voit clair dans leur jeu. L'élémentaire de lumière d'un côté, Enoch de l'autre, les deux réunis afin de dispenser le pouvoir à travers les mortels. Mais les aventuriers ne sont pas d'accord et ils sont prêts au conflit. Shin décoche la première flèche. Shin, ta flèche est partie se loger dans le dos d'Icar, qui pose un genou à terre, manque de s'écrouler. Il y a un petit cri qui circule entre ses dents serrées et il y a Enoch qui se retourne, qui fait « Traître !» À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites tour de table ? Qu'une seule personne qui peut agir, et c'est probablement plus Grunlake que les autres, étant donné que vous êtes surpris, Théo et Bob. Je vous laisse quelques secondes pour décider de ce que vous voulez faire, sachant que le point strat est probablement le plus limité au monde maintenant. Alors, bah vas-y, fais un truc, Grunlake. C'est super, merci de me mettre. Voilà, attends, oui, vas-y. Non, je t'en prie. Tu pourrais tenter un Falcon Punch dans le pilier. Oui, c'est ce à quoi j'avais pensé. Les éclats dans. Il y a juste un truc qui me fait peur, c'est que je perds le contrôle de mon bras. Donc, avec la puissance du coup, logiquement, le bras devrait continuer dans le pilier. Maintenant, magiquement, est-ce que ça va pas faire quelque chose de bizarre derrière? Il faut tenter. J'ai très envie de tester. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose, le fait que Icar soit touché? Là, ça se passe en 2 secondes. C'est donc, je vais pas te. Voilà. Donc, j'ai pas le temps de parler à Grunlake. Du coup, s'il n'y a pas le temps, moi je vois rien. Si je dois réagir, et en effet, c'est ce que je voulais faire. Je vais tenter le tout pour le tout et défoncer le pilier avec mon bras, quitte à ce que mon bras perde le contrôle derrière. L'objectif, c'est que ce soit les graviers, enfin les gravats, les éclats, les débris, les shrapnels qui touchent tout le monde en fait. Tu bourres. Oui, enfin, c'est plus moi dans le trip, ce pilier, il abrite énormément de puissance et c'est peut-être la source de tout ce qui se passe là. Ah ouais, donc en fait, t'es peut-être en train de puncher une bombe à main nue. Ouais, c'est ça. Non, je pense que la bombe elle est déjà lancée, mais voilà. Bon, ouais, fais-le, on verra bien. En même temps, si tu ajustes son bras, tu vois, il peut se transformer en gros point gigantesque à la Battletoads. C'est vrai. Non, que... ça va faire. Moi, je dis, on va finir à la Tetsuo, hein, ça me paraît bien. Mais oui, ouais, c'est vrai que Akira, Shin a quand même pris une bombe à eau, a regardé l'élémentaire de lumière, a fait shit bombe. Et si vous m'en voulez pas, je vais utiliser un dé d'aventure. Oui. Ouais, c'est léger. C'est surtout pour éviter qu'il utilise un dé de mes aventures en fait. Ok, c'est bon? Ça vous va? Ouais. Ah, vas-y. Allez, on le sent bien. On le sent bien, c'est parti. 80. Allez, vas-y, sauce-les. Ok. Allez. 67, ça passe. Et 1, c'est un mouvement. Mouvement, bah. Vers l'avant. Direct dans les gencives. Grunlake, tu as fait 66 et tu utilises donc le dé d'aventure, le mouvement, pour essayer d'orienter quoi exactement ? Précise, parce que tu m'as parlé plus, de ce qui était au-dessus. Plus qu'il y a sur le dessus du pilier pour qu'il tombe, s'il pouvait tomber vers moi plutôt que vers parce que tu sais, t'as pas vraiment connaissance en fait, t'as pas d'influence là-dessus sur le codex. Tu sais que c'est le codex. Non, je sais qu'il y a quelque chose dessus. Voilà. Moi, je sais qu'il y a quelque chose dessus, qu'il y a quelque chose de caché. C'est pour ça que j'ai dit à Shin de monter. Donc moi, mon but, c'est vraiment d'arriver à faire tomber ce qu'il y a dessus, bah, pour en briser la magie si possible, et que ça tombe pas vers eux, qu'on puisse le récupérer ou voilà. Je pars du principe que c'est peut-être le codex, mais c'est vrai que je le sais pas. Mais en tout cas, c'est. Je suis encore sur le pilier, moi, ou pas? Absolument, sachant que tu vas probablement tomber suite au mouvement extrêmement violent de Grunlake. Après, qui assène avec son bras mécanique. Un coup, dans le pilier, il y a une sorte de bruit sourd qui se produit avec des éclats de pierre qui se produisent de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a une légère fissure, mais très petite fissure, qui se produit au bout de ta main, en fait, sur le pilier. Quasiment rien du tout. Aucun effet sur le pilier. Et de l'autre côté, une énorme et puissante explosion avec la roche qui se propage dans tous les sens et qui disperse la scène. Un immense éclair d'énergie traverse l'environnement, en plus précisément Icar, le lien qu'a Icar avec les codex. Shin, tu viens de le fragiliser. De mes yes. Il y a autour une puissante déferlante. Enoch qui se retourne vers Icar, qui commence à prononcer ces mots. Nous n'avons plus le choix, Icar. Ils nous ont pris à revers. Il faut le faire venir maintenant. Alors, ils sont en train de faire venir le boss. Donc, et là apparemment, il faut trigger le pilier. Il faut le faire venir ou les faire venir. Le faire venir. Ah. Le faire venir. Le titan, bien sûr. La barre de vie qui est apparue. Ouais, il faut la barre de vie sur le pilier qui apparaît. Hey, focus le pilier, ça affaiblit le boss. J'avais eu peur pendant une fraction de seconde que le pilier soit l'équivalent de la grotte, de la glotte, pardon, de la baleine dans Pinocchio, tu sais. C'est le genre de truc, tu la stiques, puis ça réveille le Vous titan, entendez en fait. Des bruits sourds qui se produisent dans le sol, un peu comme il y a
quelques scènes auparavant, lorsque Shin, tu avais vu la main sortir du sol pour te saisir. Ouais, je m'en rappelle. Très bien. Donc ça se produit de manière très sourde. Icar qui a un genou à terre. Il y a des éclairs qui se produisent dans le ciel. Elle fronce les sourcils. Il y a une nouvelle déferlante qui se produit, une impulsion qui vient du pilier. Et apparemment, ils se mettent d'accord. Et Arcana, de son côté, ou Evil Arcana, si vous préférez, commence à se positionner pour protéger Darkana. Son cher et tendre. Sur Cana. Darkana, c'est Darkana, en fait. Non, Darkana, c'est... Qu'est-ce qu'on fait, Bob? Tu t'occupes de ta belle-mère? Non, c'est une succube. Par définition, je vais lui faire zéro damage. Pourquoi? Et au contraire, pour une... Parce qu'elle est en flamme. Au contraire, pour... Elle est en flamme? Non, mais... Elle est en flamme? Non. C'est une créature démoniaque issue de qui? Mais on s'en fout, c'est pas un dragon. Mais je confirme. Michine, il doit avoir un petit peu d'affection pour elle quand même. Enfin... Non, attends. Si je puis me permettre. Théo. Depuis la saison 1, tu nous bassines sur le fait que tu purges l'hérésie, l'église de la lumière, là. Moi, je suis ton ami et je suis un démon. Je suis même pas si juste ton ami, mais tu m'as rigolo épargné. Que tu tues ta belle-mère, c'est tout. Enoch, il est trop fort pour toi, c'est une certitude. Mais là, t'as une cible au cac, qui est une hérésie pure, morte vivante. Démoniaque. Et après, là pour toi. Et là, jump cut, il se marie. Oh, on l'a pas vu venir, celle-là. Mais putain, mais. Décidez-vous de ce que vous voulez faire. Il y a les codex qui sont activés et probablement, comme le disait Grandlake, Enoch a dit, on n'a pas le choix, il faut le faire venir maintenant. Bah, allez, moi, je me mets à gueuler. Les amis, on n'a pas le temps. Icar est la clé. Et... Choper Icar, saucer Icar. Et du coup, sur le dessus du pilier, vu que j'ai utilisé le démouvement pour ça, ce qui était sur le dessus du pilier est tombé à côté ou pas? Bah, il y a un petit mouvement au-dessus, mais tu... Ça n'a pas suffi. Ouais. D'accord, parce que t'as dit que Seb, il y avait un gros choc et qu'il était tombé. Fais-moi, s'il te plaît, un test de perception, Grandlake. D'accord. Le mental tout à l'heure. Magie plus technologie. Très bien. Absolument. C'est parti. Le machin 85, c'est raté. Toujours. D'accord. Toujours en camouflage. Du coup, tu as du mal. Attention, vous avez un camouflage. Le camouflage. Est-ce que je peux éventuellement foncer sur le pilier pour essayer de bousculer le pilier Ouais, tous écoutés ou pas? J'ai l'impression que tout le monde s'en fout. J'ai dit Icar. La clé, c'est Icar. Moi, je t'ai écouté. Le truc, c'est que si j'attaque Icar, je vais me faire attaquer par Darkana, qui est un perso de cac contre lequel je ne peux pas faire de dégâts. Alors qu'avec nous, on a un paladin anti-démoniaque. Mais il est en train de protéger. Oh là là. Et qui, surprenamment, est fort au cac. Et là, il veut pas l'attaquer. Je sais parce pas, cet homme ne veut pas elle, nous soigner. Cet homme ne veut pas nous soigner quand on a besoin de soins. Cet homme ne veut pas nous défendre quand on a besoin de défense. Cet homme n'attaque pas les cibles qui sont équipées. Et quand c'est des petites filles, ah bah là, il y a du monde. Ah là, c'est CRS là. Ah, c'est gros, c'est Ainoun là. Ça se ramène avec les boucliers. Ah, ma petite, tu vas où là? Ça prend les trucs. Où les papiers? Qu'est-ce que c'est, les papiers là? Tu ne bouges pas. Alors que là. Alors quand elle attaquera, je l'attaquerai. Pour l'instant, elle attaque. Très bien, tu vas vers le pilier. Ok, donc on va essayer de recadrer tout ça. Théo, tu vas vers le pilier. Shin, qu'est-ce que tu fais? Ah ben moi je vais ressaucer Icar, hein, tant qu'elle est à jour. D'accord. Enfin, si elle sait pas retourner ou quoi, mais... Ok. Je vais couper la vous allez tous me faire, s'il vous plaît, un test de physique, d'équilibre. Le sol commence à bouger. Et plus encore, vous voyez des zébrures traverser le sol, comme si le sol commençait à se lever. Donc, Théo. Je le fais à 30 mon jet, vu que c'est un jet d'équilibre et pas de force directe. Enfin, c'est du bullshit ça aussi. 50. Oh, non, 5. Oh, joli. Easy. Voilà. Moi, ouais, je les baise, moi, les jets. 17, réussi aussi. Très bien. Théo. Mais j'ai que de la chance. D'accord. C'est que de la chance. 45, ça passe. Ça passe. Chine. Qui va rater? C'est moi qui vais rater, je pense. Mais non. 63, ça passe, Radibus, mais ça passe. Ah, exactement. Alors que c'est lui le plus agile du groupe. Non, tu vois, ça fait aucun sens. Mais si, il était sur les épaules de Grandlake, il était déséquilibré. Alors, il a été déséquilibré juste avant, tout ça. Donc. Donc du coup, vous maintenez votre équilibre, vous voyez tout autour de vous qui commence à se lever. La musique de Sephiroth qui vient de manière complètement insidieuse dans votre esprit. Et donc vous qui... Vous voyez, oui, c'est bien ça. Derrière toi, Bob, par là. Et... À ta gauche, Théo, par là, des sortes de
doigts qui commencent à sortir du sol alors que toute la terre se met à trembler. Et Icar qui hurle « Viens, Titan, viens, quel qu'en soit le prix, viens et délivre ton pouvoir !» On avait dit que c'était Icar à la clé. Ça sert à rien, non, mais le pilier, il faisait toutes les couleurs, alors ça, c'était logique aussi. Mais c'est le pilier qui est lié au codex et qui... Théo ? Bah, tant que j'y suis, je vais bourrer... Et puis c'est une femme, on n'attaque pas les femmes. En plus, c'est un élémentaire de lumière, j'ai pas envie qu'elle fasse la gueule si jamais... Bon, bref. Si c'est un démon ? Oui, mais bon, c'est... Je suis un prêtre et je suis un prêtre et tu me demandes de mettre une gifle à Saint-Pierre, ça fait chier, quoi. T'es pas un prêtre ! T'es un inquisiteur ! Non, les il est paladin, je suis d'accord avec Théo, c'est un paladin. Les inquisiteurs, ça punit les paladins. Je suis paladin. Il a une épiphanie, une révélation sur son existence et son but dans la vie. Ah, je vais peut-être devenir pêcheur. Et puis Maillard, c'est de la triche. Pas dire qu'il est paladin. Tu peux pas dire qu'il est paladin. Toutes les 3 minutes, il change de paladin. Alors, je peux pas dire ça, sauf si ça m'arrange. Il change de classe tout le temps. Très bien. Donc, il fait des tests, là. Qui fait quoi? Du coup, bah, je voulais essayer de bourrer le pilier pour le faire tomber, en fait. Vas-y. Fais-moi un test, s'il te plaît, de... Hop là. Agripper, comment ça reste de suite. 85. Tu vas-y. Tomber. Ah, ça passe. 33. Très bien. Tu la moitié de 66. Un puissant coup de bouclier à côté de l'explosion du pilier. Et tu vois que ça se fissure de part en part. Le coup est assez puissant. C'est pas suffisant, mais tu l'as vraiment, vraiment plus que fragilisé. En plus, avec l'attaque en amont de Grandlake sur le pilier. Tous les deux, vous avez vraiment donné le change au pilier. Ouais. Il ne faudrait pas grand-chose, surtout que tu as eu de l'élan. Donc, il ne faudrait pas grand-chose afin de faire chuter le pilier. Je leur frappe, moi, juste derrière. Donc. Un dernier coup pour le... Je suis sûr que ça pour fait la des route. Trucs. J'ai le droit... Ouais, moi aussi. Est-ce que suite au succès critique que j'ai eu précédent, j'ai le droit à mon action, moi, du coup. Absolument. Bob. Du coup, j'aimerais, grâce au succès critique, vu que ça n'a pas donné d'avantage particulier à part le fait de rester debout, j'aimerais faire un pas de côté et tirer du coup une boule de feu et pas un cône de flamme comme je fais d'habitude dans le pilier. Ah mais on est dessus. Ouais, c'est ce que j'ai. Oui mais j'aide cool, aussi. Si il vise bien, ça va. Ouais, le truc c'est que si le pilier amplifie la boule et que ça vous crame. Non, ça va exploser. Non. C'est une boule de feu, c'est le principe. Oui mais l'explosion. Très bien. Fais le bob. Attends. Pourquoi attends, tu t'occupes de ce pilier? On est tous sur le pilier. Ouais. Parce que ça ira plus vite. Et que vous êtes pour le en pilier, strat. Vous êtes pas en strat. Tue ton père. C'est moi ton test. S'il te plaît, Bob, fais-moi donc ton test de mental. Ajoute-moi un des deux mésaventures et tu as donc un désavantage. Alors, un café l'addition. Le succès critique dans tout ça m'apporte quoi? À part le fait de rester debout, ce que tous les autres ont réussi avec un succès simple. Ah non, je te laisse pas partir avec ça, hein, Non, mais attends, ça gratte pas. C'est un succès critique. Non, mais je... C'est un succès critique. Merci. Pour ton action. Merci. Alors, ce que ça t'apporte, c'est que je te propose un 10% de bonus sur ton action de mental. Parce que tu es un peu comme à la Robocop, tu as les pieds fixés au sol. Et que ça t'a apporté une grande confiance en soi. Je fais les mêmes. Tu vois pas le rapport. Belle Robocop, on s'en fout. Tu as plus confiance en toi. Il faut bien que ça paye. Il faut bien que ça paye. Est-ce que j'ai le droit de jeter le dé de mes aventures juste après le G pour le drama? D'accord, vas-y. Je vais apporter 88. C'est un échec. Attends, quoi avec le 10% ça doit passer, je pense. Mental 90% bonus, ça fait 90 et donc ça passe. Mais si mon dé de mes aventures est un in extremis, 5 ou un 6, ça passe pas. Effectivement. Un 4, c'est un changement de posture. Mais j'étais en défensif. Heureusement, j'utilise le désavantage pour déplacer d'un cran. Là. Bravo. L'intelligence du malin. Ah ça c'est bon, ça c'est magnifique. Ça madame le juge, je dis oui. Ce qui fait que mon G passe à 93 et c'est un échec. Pas un échec critique mais c'est un échec. On demande si tu l'as. Donc du coup, mon sortilège va foirer mais au moins je perds mon désavantage. Ton sortilège foire. Tu génères les flammes à côté. Hop.
Et... Même pas, j'imaginais en fait. Moi je pensais que si je pouvais pas attaquer Enoch ou Miss Succube ou quoi que ce soit, c'est parce qu'ils maîtriseraient les flammes en l'occurrence. C'est pour ça que je voulais pas les attaquer eux. Parce que le père ou l'autre fille, ils vont les regarder en faisant. Comme si je tirais au pistolet à eau sur Bison, ça va servir tu à rien. Tu produis des flammes en fait à côté et tu commences à mettre le feu sur les buissons qui sont ici, à côté du pilier. Lequel ? Hop. Ici. Sur moi. Donc ok. Donc, t'es dedans, tu prends zéro damage, t'es en armure, c'est même pas du feu direct, tout va bien. Tu vas faire un pas de côté, tu vas t'en sortir. Donc il y a des flammes qui commencent à lécher le sol autour. Tu as l'impression que des forces extérieures sont à l'œuvre. Tu as l'impression que des forces extérieures conspirent contre ton succès. Là pour le coup, le destin s'est bien foutu de ma gueule. Mais le destin a joué selon les règles, c'était très très propre, j'apprécie. C'est et à ce moment-là... Il y a le sol qui commence à se lever. Il reste Grunlek et Shin à agir. Dites-moi ce que vous faites. Ils ont pas déjà agi. Perso, je défonce. C'était un tour d'avant, je crois. Comment ? C'était un tour d'avant, toute le. Je pensais que c'était les ennemis aux ennemis d'agir, là, mais ok. Non, non, ah oui, c'est vrai qu'ils sont pas. Non, c'est toujours. Bah le si, tour, elle hein. est tombée, Icar a été elle mobilisé a invoqué, par l'attaque puissante ouais. de Shin. Enoch. Darkana a choisi de défendre Enoch, donc Darkana s'est mis en. Arcana est en mode donc défensive et de son côté, Icar est non seulement mobilisé par l'attaque de Shin, puis en plus de ça, elle utilise toute sa psy pour déclencher les codex avec la venue du titan. Même si au final, elle prend le risque d'atteindre son objectif de manière partielle, ils tentent tous les deux leur va-tout face au retournement de situation, face à votre traîtrise entre guillemets. Mmh. Donc, du coup, Shin, Grunlek, Shin. Moi je vais défoncer le pilier. Je sais pas ce que moi je fais, ressource Shin, mais... Icar. Grunlek en premier, je pense, parce que s'il fait tomber le pilier, ça aura peut-être une influence. Ok, d'accord. Du on coup, y on va. Est full dé d'aventure, c'est ça ? On a le pool qui est. Non, on est repassé à 3-1, je crois. 3-1. 3-1. Ok. J'y vais. Oui, pas vas-y, de désavantage, pas tout ça. Vas-y, avec 80%. 46, ça passe. Très bien. Tu donnes un nouveau coup puissant sur le pilier qui fait le fracasser et le pilier commence à basculer, à s'écrouler sur le côté. Du coup, ça a une incidence, il se passe quelque chose, il y a un souffle. Vous agissez tous en même temps, donc je suis en train de faire. D'accord. Qu'est-ce que tu fais toi de ton moi, côté c'est pas grave. Je ressource Icar. D'accord. Ah, j'aurais voulu. Bah, trop tard, c'est parti. 17 dans sa gueule. Oh, ok, très bien. Shin, tu tires ta flèche au moment où elle se loge dans le dos d'Icar. Sa magie à l'œuvre se concentre finalement que sur la venue du titan. Avec le pilier qui a battu par le coup de Grunlek, eh bien, les codex apparaissent finalement. Donc, il y a cette énergie incroyable qui se disperse autour au moment où deux mains titanesques apparaissent ici. Le sol commence à se lever. Tous vous manquez de perdre l'équilibre, mais vous avez réussi des tests suffisants afin de vous maintenir. Enoch bondit vers Icar pour la protéger. Il adresse un regard noir à ton intention, Bob. Il dit « Je n'ai peut-être pas le cœur à t'affronter, fils, parce que je ne suis pas un mauvais père. » Mais il se retourne vers Arcana. « Tue-le !» Oh. J'aime bien ça. Très bien. Non, c'est propre. Il protège donc Icar. Il regarde autour de lui, voit en effet que Shin a battu sa flèche, mais il a manqué de tomber suite à l'attaque de Grunlek. Il s'est retenu au dernier moment. Shin, Grunlek, toi tu es derrière le pilier qui s'est écroulé. Théo, tu as donné le coup de bouclier donc avec Grunlek, les deux coups décisifs pour faire chuter le pilier. Bob, tu t'es retourné et tu commences à voir tout autour donc des énergies qui non seulement se déploient, des mains du titan qui commencent à lever la terre avec quelque chose en dessous d'une puissance incomparable depuis... 3 saisons, et donc ces énergies, ces morceaux de pierre tout autour qui commencent à léviter comme si elles étaient toutes empreintes de l'énergie venue de l'éther. Qu'est-ce que vous faites ?
La question, est-ce que les codex lévitent dans les airs ou ils sont tombés? Enfin, comment ça se passe? Ils lévitent, c'est-à-dire qu'ils sont comme s'ils lévitaient. Ils n'ont pas bougé. Ils sont tombés du pilier, mais ça ressemble à un mélange. Arcana, elle est en train de sauter sur Bob. Oui, elle va pour m'attaquer, mais j'ai le droit à mon tour juste après. Bah, je vais, moi, à la limite, je peux essayer de le. Vous avez tous agi, Sir Kerr. D'accord. Et ça va être un nouveau tour. Parce qu'ils s'étaient tous concentrés sur le fait de déclencher les codex en dépit de la situation, en dépit du fait que le rituel, enfin, le titan ne soit pas allé au bout. Ils préfèrent un semi-succès plutôt qu'un échec à cause de votre intervention et votre traîtrise à tous les deux, Shin et Grand Lake, dans le dos. Donc, tour de table, une seule personne agit. Qui ? Laisse-moi intercepter, Bob, peut-être non ? Laisse-moi. Bah, j'allais parler mal à Darkana et claquer ma forme élémentaire pour l'affronter parce que c'est. Il n'y a qu'une seule personne d'entre vous qui peut agir. Si je l'intercepte, t'as plus à l'affronter. Le problème, c'est que c'est moi qu'elle vise et ton interception serait quand même vachement tendax, je trouve. Ouais, donc, mais ça serait beau, ça serait un ami qui sauve un autre ami, tu vois, c'est quand même. Mec, si tu veux l'intercepter, vas-y. Une seule personne agit donc. Ok. J'essaye de l'intercepter. Oui. Alors. Quoique, je préférerais presque la focus. Je préférerais presque la focus et que toi t'essaies de te saucer Icar. Enfin, c'était le plus proche. Elle est déjà blessée. Vous voulez pas croiser les éléments, c'est ça. Après, quel serait le réflexe de Théo s'il voyait le mage se faire attaquer C'est ça aussi, quoi. Bah, je m'interroge parce que c'est le mage qui se fait attaquer, justement. Mais je m'en fous, vas-y, si tu veux jouer. Non, c'est propre, vas-y. Ok, bon, bah, j'intercepte alors et j'utilise mon avantage. Après tout, tu m'as déjà sauvé de 2-3 2-3 belles flèches comme ça, donc je dis pas. Utilise mon avantage. Oh, ça passe large. Ah, avec ton avantage Ah non, ça ne fait que. Non, non, ça fait. Ça ne fait pas de. Mais ça fait 13, c'est quand même très propre. Alors. J'intercepte, je me mets entre les deux et je pars Arcana du coup en me plaçant entre Bob et Arcana. D'accord, ok, ça marche. Arcana arrive, tu es en mode défensive. Donc Arcana arrive, elle tourne sur elle-même, elle a l'impression de danser. Et par rapport à ce que vous avez pu voir de sa vie de mortel, elle semble avoir gagné non seulement en dextérité, mais un petit côté fourbe dans sa manière d'agir. L'enfer est à l'œuvre à travers le moindre de ses gestes. Elle pivote sur elle-même, fend l'air avec sa lance et manque de donner un coup d'estoc à... son beau-fils. Théo, tu interceptes le coup de la lance, elle ripe sur ton bouclier, elle passe au-dessus, puis elle la retire vers elle, elle fronce ses sourcils. Voyons, inquisiteur, qu'est-ce que vous comptez me faire? Elle émet une petite moue, alors il y a un petit côté de luxure. Vous tranchez la tête et puis c'est dans votre nuque. Il y a un petit côté de luxure qui se dégage d'elle, mais ton compteur d'hérésie est au-delà du maximum. Et surtout que sa sensibilité est inférieure à celle d'un caillou, donc globalement. Et on sait tous que Théo est assez succube. Elles ont pas un truc qui est succube pour charmer les gens, parce que charmer l'inquisiteur, moi je trouve que ce serait classe. Mais pour ça, il faudrait qu'il soit sensible à la magie. Chaque être humain a une sensibilité qui lui permet de. Mais cet homme était à côté d'un puits de mana et il était en mode. Il a agi. Ouais. À ce moment-là, il y a Enoch qui donc a protégé Icar. Icar qui produit. Un autre effet lié au codex, elle semble se fragiliser énormément, mais se concentrer qu'à faire cela. Et quelques secondes plus tard, vous sentez tous un courant d'air frais alors que le décor commence à changer, alors que le sol se lève et que le sable se disperse autour, la terre commence à se bouger, la terre meuble, les buissons balayés par les vents, des vents qui proviennent d'où ? Oui, voilà, des vents qui proviennent finalement des hauteurs. La terre est levée plus haut qu'elle ne devrait.